nous devons être positifs dans tous les moments de la vie. Dans le psaume 71, écrit par le roi David, il déclare dans le verset 24 comme ceci, « Ma langue redira sans cesse ta justice. » Il ne parlait pas de ses échecs, de défaites, non, de la justice de Dieu. « Je le peux, je vais vaincre, cette bénédiction est à moi. » Oh mon frère, changez votre manière de traiter la parole de Dieu pour une manière respectueuse et confiante. Car ils ont honte et rougissent ceux qui cherchent à me faire du mal. À l'instant, ils vont vous écouter, déclare la parole de Dieu, qui est la justice de Dieu. Mon cher frère, vous allez voir que les ennemis vont devenir très confus, rendus honteux, ils vont perdre la bataille. Cette personne a vaincu. Une forte douleur ici. À l'épaule ici. Bursite. Depuis combien de temps? Près de 12 ans. Vous avez déjà traité cela comme il faut? Je prenais alors des injections, tout un tas de choses, mais... Ça n'avançait pas. Et à présent, comment est-ce que vous allez? À présent, grâce à Dieu, nous ne sommes vraiment plus rien. Alléluia, Jésus est bon, oui, mes amis. On va prier à présent. Père, j'unis ma foi avec la foi de cet individu, de cette personne, de tous ceux qui prient avec moi en ce moment-ci. Le mal peut être le plus grand qu'elle a déjà affronté, mais au nom de Jésus, je dis... Tombe à terre maintenant, sors de cette personne, va-t'en d'elle, au nom de Jésus. Merci Père, et Amen.